les gens se retrouvent pour une petite vidéo test de liquide. On retrouve la gamme de Bordeaux 2. Et on va s'attaquer aujourd'hui à un petit liquide qui est le Vap on the Beach. Vap on the Beach. Qu'est-ce qu'on nous en dit sur le site? Pas grand chose. En fait, sur le site de Bordeaux 2, il n'y a pas la description du liquide. Donc je viens de le trouver ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Saveur, véritable cocktail, Sex on the Beach, un soupçon d'ananas, une vague de pêche, une écume de cranberries et une pointe de vodka. Moi j'ai testé ça sur un ProTank 2, là je suis à 4,8 volts sur un MVP. De la vapeur, c'est génial. Je teste ça aujourd'hui sur un Helio. Un Elliot, ouais, je crois que c'est ça. Hop, on remet un petit peu de jus. Normalement, il est bien fait. On est en double coil. On a une résistance à 0,7 ohm. On est à 18 watts, on va peut-être baisser un petit peu. J'ai un peu peur que ça m'arrache la gueule en fait. Non pas parce que je suis malade, mais même si. Mais oups, mais parce que quand même. On est sur du 11 mg. On va commencer par la fiole, tiens, le temps que ça se rallume. La fiole, c'est une fiole en verre. On est sur une fiole de 20 ml. Dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le pictogramme pour les malvoyants. C'est un petit sticker. On a le pictogramme pour la tête de mort. On a un pictogramme également de recyclage. Et on va retrouver toutes les petites informations légales, à savoir où est-ce que c'est fabriqué, etc. On a une composition. On est sur un produit qui est en 50-50. Donc ça devrait le faire. Et c'est tout, on n'a pas de numéro de lot, on n'a pas tout ça. Bon, on est sur une fiole avec une sécurité enfant et à pipette. Donc sympathique pour servir. Je le disais, on va tester ça sur donc l'Eliot. Et on est à 14,2 watts. Je le sens bien. Au niveau de la vapeur, on n'a pas une vapeur de ouf. Pour du 50-50, c'est assez volatile, assez léger. Mais ça reste raisonnable. Au niveau du hit. Au niveau du hit, on est sur un hit assez costaud, qui se situe bas de gorge. Assez puissant quand même, hein, on le sent bien. Au niveau des saveurs, on est à l'équivalent. J'aurais même tendance à dire que la vape est plus intense dans le ProTank que sur le dripper. On ressent bien les goûts. Ananas. En fait, on ressent pas vraiment ananas, la pêche, l'écume de cranberry. On sent qu'il y a du fruit rouge, ça c'est sûr. Je pensais même plus à la grenadine ou un truc un petit peu de la grenade, quoi, plutôt quelque chose comme ça. On ressent pas des fruits de la passion, mais. Ouais, un cocktail genre jus d'ananas avec de l'orange, avec peut-être ou effectivement de la pêche, mais c'est très léger, et un mélange mélangé directement avec pour moi ce que je ressens, c'est de la grenadine,
C'est plus ça en fait que ça me fait penser. C'est super agréable, hein. C'est super bon. C'est super bon. C'est un liquide qui se vape super bien. Et quasi à tous les moments de la journée, il n'y a qu'avec le café où vraiment. Voilà, ça dénote un petit peu, mais sinon ça passe super bien. 50-50 et il passe dans du protan que j'ai pas ou sur lequel j'ai je suis pas intervenu, j'ai pas retiré la fibre supplémentaire, j'ai rien fait. Ça passe. Deux trois fois, il a fallu quand même que je réamorce un petit peu, mais dans l'ensemble. J'en démords pas, hein. Pour moi il est même limite meilleur là-dedans. Si je devais noter ce liquide, je lui mettrais 4. 4 parce qu'il apporte ce qu'il est censé apporter. Et parce qu'il est bon. Tout simplement. Il n'y a pas grand chose à en dire. Il n'est pas super surprenant. Il n'est pas. Il n'y a pas une fraîcheur, un menthol, un coup poivré ou que sais-je encore. Ça reste juste un petit cocktail, mais qui est vraiment sympa. En été, ça doit être. Il fait de la vapeur, que demander mieux. Bref. Le Vapom the Beach. Sympathique petit liquide. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le goûter parce que. Il est très très bon. Nous, en attendant, on se retrouve très bientôt. Ciao.